Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sous télévision nationale d'Haïti dans le sens. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, nous prenons nos premiers temps, parler avec le journaliste Robinson Henry, journaliste reporter dans Radio Télé-Kiskéa, qui a offert PIA et premier CD reportage lit. Et on dit son CD, on va prendre 16 reportages sous lit. Et là, pour nous qui journalistes, monde qui besoin, n'est-ce pas, vraie information par rapport à la thématique que monsieur abordé, il est capable très certainement d'étendre ces CDA. Et c'est sûr qu'il a édifié. Maintenant, on va regarder motivation de Robinson Henry, on va regarder ensemble de sujets qu'il a décidé de mettre sur CDA, on va regarder tout le travail ça, que ça s'est demandé et attendre par rapport à ça l'offre public là, je vous dis. Robinson Henry, son plaisir pour nous recevoir maintenant sur TRH. Bonjour. Serginho Lindor, bonjour à tous les téléspectateurs matin qui branche mise au point cap gardé et bonsoir à tous techniciens, bonjour à tous techniciens qui mobilisés pour émission sa fête. Bon, me rappeler tout, c'est un journaliste qui prend Philippe Chafranjon. Oui, prix Philippe Chafranjon 2017. Et, alors, c'est quand même Philippe Chafranjon, c'est quand même un journaliste qui était très réputé en France et qui quand même tout une bonne histoire avec le pays d'Haïti. Oui, c'est une relation, à Haïti. Et d'ailleurs, c'est un facteur qui fait que, après M. Fin mourir en 2013, famille, parce que pas oublié, Philippe Chafranjon, qui gagne environ 30 ans de carrière dans la presse française, là, il était dirigé RTL, il était directeur Radio France. Radio France, qui sont groupe média en France qui. Rassembler plusieurs médias tant que France Info, France Culture, France Musique, et qui gagne subvention au gouvernement français pour le fonctionner. Et même, c'était une relation à Haïti, et parce qu'elle était mariée d'abord avec une Française d'origine haïtienne, qui c'est Isabelle Madsen. Isabelle Madsen, c'est madame Philippe Chafranjon. Il était marié en 1984, monsieur était venu marié ici à Isabelle. Et de là, monsieur était qu'on fait de va-et-vient, venu couvrir de événements. Donc, relation Philippe Chafranjon à Haïti, il commence là. Et maintenant, ça pral vin fait que en 2013, l'homme se mourit, mais famille, hein, pour yo capable honorer mémoire Philippe Chafranjon, yo mettez sous pied prix ça qui c'est prix Philippe Chafranjon qui honoré depuis disons bon 5e édition yo pral remettre li quoi demain là demain on pral remettre li c'est 5 éditions 2014 2015 2016 2017 et puis 2018 après elle fait 5 éditions. Vous connaissez pour l'année ça non? Je connais même pas Gazouli. Gazouli de record. Ouais, c'est ça. On Gazouli. Parfait. Alors on honore deux journalistes, jeunes journalistes, une du côté haïtien, une du côté français, moins de 40 ans qui travaillent sur son sujet de terrain, en reportage multimédia. Et donc c'est ça priaé globalement. Parfait. Et yo fait journaliste la vie en France, journaliste haïtien. Yo met li en cachet, yo fait de visite avec, yo permet de faire de entrevue dans de médias français, dont RFI, RTL, pas RTL, Radio France, li fait de visite dans le média, par exemple hebdomadaire Le Point. Et extrêmement intéressant comme sujet pour là c'était sur qui ça était c'était type de reportage de faire c'était Haïti le prix d'une pièce d'identité côté m'était relaté problème qui gagne un pays a pour autorité ou identifier moun bay moun pièce d'identité état civil là problème état civil là et misère moun a passé pour un document pour une carte d'identification nationale pour même renouveler le même alors que ou sous système là moun a dit que yo sont juste en dehors yo fait plusieurs voyages question passeport à tout m't'abordé et puisque bah ça pratiquement c'est on bah qui c'est comme si c'est bon service public lié c'est comme si son faveur et c'est via et puis gain accès c'est moun qui gain contact cap fèl alors que reste population est obligé dans misère passer misère dans ligne dans soleil bousculade et puis vinn joine tout de moun qui prend sonné
de monde qui a pris question corruption qui entourait question livraison pièce d'identité à bordel et jury a vraiment été tourné pâté par travail là et il était à l'unanimité bam pour parfait yo. Là maintenant on dit présentation pour monde qui a regardé là qui va connaître Robinson et quand on sorti parcours et déjà nous présenter au comme monde qui recevoir prix Philippe Chafanjon et mais au fait ça pas dit toute bagaille de Robinson Henry. Robinson Henry il fait Carrefour, il fait Carrefour en 1985, jeudi a exactement, jeudi a fait 33 ans et 6 juin fait. Okay. 6 juin 1985, et maman, ma papa, yo habité dans la section communale Carrefour, 10e section communale Carrefour, plateau du Freineux. Et c'est là, yo sorti. Maintenant, et moi-même, je grandis Saint-Roch, je fais un petit temps du Freiné tout. Mm-hmm. Et puis, bon, par la suite, je viens habiter dans le centre-ville Carrefour, Bochette. Bon, avant ça, en 1987, Bochette. Je fais études moins Bochette, Carrefour, études secondaires. Je fais études primaires Saint-Roch. On partit dans études primaires Saint-Roch. On l'autre partie, je fais Dikini. Maintenant, après, je fais études classiques moins. Carrefour, moi allé en 2007 dans Centre Haïtien Communication qui t'a dirigé par Marc Sevens dans d'abord il était dans Bois-Vernant, ensuite il vient passer la LU pour me pour un cours de journalisme et en même temps tout me tenté chance dans l'université l'État puisque c'était toujours rêve moi. Ça pas marché. Ça pas marché. Mm. Par la suite me tenté encore en 2008 ça marché m'entrer dans faculté sciences humaines en 2008. Dans le département communication. Et là, je fais ça. Et en 2012, je suis censé finir. 2012-2013, je suis censé finir à tout coup. Dans le Fachlan. Maintenant, là, où on est nègre. Et par rapport à la difficulté, bon, je vais finaliser le travail mémoire là, aujourd'hui, dans le dernier moment, ça, pour mal soutenir. Et dans le Fachlan. Et puis. Et en 2013, je suis entré dans la radio Kiskeya. En 2013. Mm-hmm. 2013. Et c'est pour moi, le matin. Ok. Alors, Kiskeya, ma première expérience ou? Pas première expérience, mais c'est plus longue expérience là. Mm-hmm. Puisque le matin, c'est 15 jours seulement. 15 jours. C'est 15 jours, je fais dans le matin. C'est un stage, je suis moins dans le stage matin. Stage de 15 jours. Pas de 15 jours. Pas de 15 jours. Dans le moment où je suis entré dans le matin, et je t'a bousqué l'autre possibilité tout. Okay. Je t'ai tenté et je viens de l'aimer dans Kiskeya. Est-ce que peut-être plus à l'aise dans le médium, dans la radio, par rapport à la presse écrite là? Mon cher, je suis à l'aise tous les deux. Dans tous les deux espaces. Parce généralement, il y a plus de monde qui est intéressé à la presse parler ou bien presse télévisée que la presse écrite là. Parce que la presse écrite là, pas qu'il y a d'assaut. Pas qu'il y a d'assaut. Pas qu'il y a d'assaut. Mais dans la presse. Dans la presse. Dans la presse télévisée, dans la presse radiophonique. Là. Pas qu'il y ait d'assaut tout le monde. Il y a plus d'assaut. Non, ça que fait pas qu'il y ait d'assaut, il y a tout. C'est-à-dire, de toute façon, presse parlée, presse télévisée, c'est presse écrite tout. Parce que, faut écrire, faut. Peut-être qu'il n'y a pas de même rigueur. Oui, c'est ça, il n'y a pas de même rigueur, mais il faut capable. Capable de traiter information, faut capable de mettre sous papier, faut avoir une qualité en journaliste. Parce que, capable de. Ouais, la radio, par exemple, avec question émission et talk show, n'importe quoi, pour un micro, ah oui, tout ah oui, ça, oublie, ça c'est. Qui lui fait mal à la vie très facile. Oui, c'est une dérive. Mais là, je parle pour traitement, information, diffusion information. Mm-hmm. Et pour moi-même, que ce soit dans la presse écrite ou dans la presse parlée, c'est même rigueur. Mais j'ai laissé aller à Jondi là, dans la presse télévisée, presse parlée en Haïti, effectivement, qui n'est pas possible, non, par exemple, sur le journal Le Nouveliste ou dans Le National ou autre. C'est ça. Là maintenant, vous mentionnez arrivé qu'est-ce qu'il y a, et généralement, les journalistes, quand c'est plus facile pour intéresser à l'institutionnel,
du sujet, invitation, conférence de presse, au lieu peut-être de travailler sur des barrières qui t'a intéressé la société, sur des problèmes que la société connaît, et puis que t'as attiré l'attention des décideurs ou bien de l'autre secteur de pays. Et qui ça a choisi généralement? Qui généralement au besoin de dans la rédaction et qu'est-ce qu'il y a? On est capitaine de conférence de presse ou bien un journaliste qui est intéressé à des barrières qui t'a mérité attirer l'attention de tout le monde? Qui t'aimerait pour nos questions ça par on parole et on fait en général on connaît qu'on ça relé moment vache maigre et du moment vache maigre c'est là ou arriver en décembre parlement pas fonctionner parti politique pas faire conférence monde va en vacances et du que bon pas trop gagner en actualité. Mais en réalité, toujours gagné de dossiers journalistes qui a traité. Même dans Kiskeya, depuis ma entrée, en plus de l'actualité quotidienne que je vais couvrir, et conférence à vous et là-dedans, je vois que un vide qui existait dans les médias. Une série de problèmes qui pas soulevés, une série de thématiques qui méritaient traiter, qui pas traité suffisamment ou bien pas traité du tout. Mais me dit que ma porte une contribution sous côté de l'autre confrère tout décide de faire même bagarre là dans de l'autre média. Et bon qui pas en pile bien sûr. Et c'est ça que t'es venu ben moi on intérêt, on élan pour me traiter de sujets de société, de sujets que ou kawe par exemple nos médias yo bay un leader politique sous moi un leader politique intervenu n'importe 10 fois mais par exemple pollution marine l'en mer axal fatra qui envahit l'en mer a capturé poisson qui bay pêcheur problème qui bay business plage yo problème etc. bay ça pas me soulever. Ou ka ou ba ou même leader politique la micro à diverses reprises ou par exemple problème pays en deux a pas jamais traité section communale ou ka abandonné par un service sociaux de base de thématiques intéressantes. Bon moi-même m'a dit m'va travailler sur yo en plus m'a travaille sur actualité quotidienne mais à part m'a fait l'autre sujet et na kiskea yo vin ouais que m'gon intérêt pour ça. Des fois, ils ont proposé pour me faire des sujets qui parlent de sujets factuels tout. Ça veut dire que c'est journaliste. Monsieur journaliste dit que d'abord, nous avons responsabilité sociale. Il dit que et nos pays qui gagnent toute faillite ça, nos pays qui gagnent tout écart social, toute injustice sociale ça, nos pays côté exclusion ça dans niveau là il dit que mon responsabilité pour me faire tendre voir un série de monde que pas tendre il dit que mon responsabilité pour attirer attention sur une série de réalités qui est important dans la vie nationale là il dit que mon rôle de Virgile il dit que mon rôle pour me sensibiliser, mon rôle pour me conscientiser, mon rôle en même temps pour me dénoncer une série de bagages qui est côté en pile monde pas nécessairement gain la voix au chapitre, yo pas gain espace pour faire ça. Déjà comme journaliste, jeune journaliste, regard au gain par rapport au fonctionnement presse là de manière générale. Bon, moi que son presse qui pas différent de pays à globalement de gens pays à fonctionner ou un pays d'abord qui son pays qui globalement analphabète non pas rien yo pas fait l'école pour nous depuis les nations créées élite là li pas fait l'école c'est élite là pas fait l'école pour reste masse là alors que l'ité font qu'on union conjoncturelle avec pour que l'ité créé une nation mais après indépendance là nèg yo accaparé toute bagarre richesse yo accaparé port yo accaparé l'état yo accaparé
gouvernement, espace pouvoir, l'argent, mais il n'y a pas fait l'école pour Masla, ça, bah, nous, pays analphabète. La presse là, dans tout ça, regarde sur la presse là. La presse là, tout. Ou vignez en presse qui fondamentalement, je dit premièrement, il y a un problème de qualité qui pose. Il y a un problème de qualité dans le monde qui a un micro ou sur le bord de l'étalon, dans le monde qui a un média. Le problème, il vient d'un déficit. D'un déficit de formation et ça vient de plusieurs autres bagailles. Déficit de formation, hein, li ba ou un bon monde qui pas connaît qui ça vient faire ou bien qui pas connaît exigence justement domaine yo là-dedans et gain mais pas tu vois c'est recruter c'est pas trop média que recruter oui mais pas peut-être tu dans média oui gain ça mais gain de patron tout et qui même problème n'a pas les problème de formation hein. Il n'est pas existé pour journaliste, il est exigé pour entrepreneur et tout. Et où est-ce ça qui vient de bon, en question de tout le monde qui vient de faire média. Et puis bon, question l'argent, question faire cobla qui a fait n'importe façon. Depuis que je suis capable de faire cobla. Et puis où est-ce tout? Et on sait le patron. Qui pas travaille pour une professionnalisation de domaine savré. Ça veut dire pour faire un corps de métier côté mon qui a fait carrière là-dedans. Tant que même gens ou dit ou c'est banquier ou dit ou c'est avocat son corps de métier qu'on qu'a vivre de lui que ou reconnaît tout en tant que tel ou reconnaît tout en tant que tel qui passe dans les médias yo. Le fait que c'est deux mouns en général qui juste utilisent barra pour faire un corps et puis recruter deux trois mouns, bah un petit mounet, mais pas de plan de carrière, pas de perspective de professionnalisation. Est-ce que tu n'as pas faiblesse associée à son journaliste? Tout tu as peut-être fait pression pour que la change. Fondamentalement, c'est ça. Jodia, nous voyons que, même si il y a deux syndicats de journalistes, mais. Question attaquer intérêt patron, bah ça y a pas moyen. Peut-être que c'est par rapport à faiblesse système justice nous qu'on est en Haïti, c'est la raison du plus fort est toujours la meilleure. Mounio et journalistes c'est des faibles, maillon faible. Moun qui fait média yo gen doit gen connexion à autorité, yo gen capital social déjà. Yo gagne relation dans pouvoir, yo gagne relation à l'autre monde. Yo pas capable pour plainte pour yo par exemple dans ministère affaires sociales qui pas ba résultat. Donc c'est peut-être on frein tout. Élément de frein. Pas que précarité à tout. Précarité a fait tout fait que qualité. C'est ça. Pour pas revenir. Oui, que précarité a. Genre peut-être que bon, en plus fois, chaque fois gagne Journée Liberté la presse, mais Journée latino-américaine la presse, monsieur et dame journaliste, toujours posé problème. Ça a l'air là. Et en plus, dans les médias, le gars de sa journaliste après entrer, ça a gagné. Et est-ce que là, on a privé des professionnels vrais, qui ont du travail, pour ça, pour ça, pas trop. C'est ça, m'a dit tout à l'heure. C'est un problème de une série de patrons qui n'ont même pas entré dans la perspective de professionnaliser. Et corps de métier appartenir à elle, il y a des batailles pour lui peut-être, ou bien c'est de lui au vivre depuis en pile temps. Parce que y a un problème toujours, réflexion toujours à soulever à deux collègues, pour qui ça, par exemple, le secteur ça, le monde pas qu'à dire, l'entrée là-dedans, la fait carrière. Oh, son gros. En pile fois, patron toujours. Il fait dans l'autre pays. Bien sûr, patron soulevé problème. Bon, marché à pitié, pas de moyens, pas de publicité. Mais pas pour marché à pitié, on a d'autres problèmes qu'on pose. Mais pour qui ça a tout le média ça? Mon pays est en Haïti, est-ce qu'elle était nécessaire pour qu'on ait tout le média ça? Pas de grand groupe.
C'est ça, parce que j'ai le fait dans même un pays qui est très développé, c'est sur de grands groupes qui gagnent. Ouais, ouais, tout le monde n'a pas de médias. Ou en France, par exemple. C'est ça. C'est ça. Maintenant, on est hors par quantité pour quantité professionnelle que tu as besoin. Et toutes tout médias, ça, finalement, qui est-ce qui va travailler là-dedans? Ouais, bon, même parce que il y a une nécessité pour patron réfléchir, pour voir dans qui façon il y a davantage professionnalisé et métier, nous permettre de professionnalité. Parce que on moun jaloux pour métier, sous jaloux pour métier, si vous voulez que yo tete journaliste bien, yo parle de métier bien, ben c'est travail pour que de moun qui qualifie rete la donne. Et pas ça nous aujourd'hui, nous pas ouais travail pour moun qui qualifie rete dans métier. Rare soucio et yo parle, y a continuer aller une power de GFO qu'a fait pour aucun bébé. Et ça fait un peu la journalisation puis toi une communicant. Oui, communicant. Parce que là, oui, c'est ça. Il y a besoin de plus. Y a besoin... Oui, c'est ça. Bon, on a oh, nous besoin de métier. Hein. Bon, et... très certainement. Plus, non. Très certainement. Renforcer beaucoup plus. C'est ça. Ah. Alors, on a allé pour CDSA, pour Free PIA, Robinson Henry, et c'est 16 reportages. 16 reportages. Sur qui ont fait choisir le reportage? Bon, il était très difficile pour moi pour me faire choix, et c'est génial parce que. C'est en pile, c'est vraiment en pile qu'on s'en fait. Et yon paraît intéressant parce que l'autre, des fois, il est difficile pour choisir. Et moi, je voulais mettre 26 sous lui. Mais c'est à 80 minutes seulement le gain. Il n'y a pas prendre toutes 26 là. Okay. Par rapport à durée, parce que gain qui est 4-5 minutes, gain 6 minutes. Et c'est deux travail fouillé qui soulevé c'est pas bâclé, c'est pas de travail bâclé. Et premier titre qui succède ça c'est Port-au-Prince, c'est une capitale sans feu signalisation. N'a regardé depuis environ 5 ans là. Nous ouais que question feu signalisation dans grande intersection yo pas gain bail comme ça. Moi même plus tard que ça. Bon, il y a une loi plus. Ouais, une loi plus. Et on va regarder, mais conseil de route secondaire tout qui pas gagné. Même par exemple, un porte aller au Gan on carrefour on intersection qui si importante en matière de circulation, il pas gagné. Sous toute grand rue arrivé depuis première avenue, arrivé jusqu'à carrefour aviation, pas gagné bail comme ça. Ou d'aéroport, c'est un seul côté well. Plusieurs de l'autre côté, même bagay là. Donc, son bagay qui t'a attiré l'attention. Et, moi, font un reportage sur lui, et qui un reportage sur ça. Moi, font un reportage sur moun, kap pousse l'an mais pour faire caille. On l'autre problématique qui sous ça, deuxième titre là, moun kap pousse l'an mais pour faire caille. Et, wap gade, que ben de port au prince là, question village de Dieu, wap gade dans zone Fontamara. On a pile pays, l'organe qui est bon là, mais c'est gros, c'est pas tout le monde. Toi et moi, on va arrêter. Bon, ouais, bien sûr. Mais regardez ça, nous, bon, mais nous, vraiment, ça va être changé. Voilà, mon cap poussé la main pour faire caille. Et mon cap poussé la main pour faire caille. Alors, il y a mon cap poussé la main pour le faire, pour le vendre. Ça veut dire, mon cap poussé la main pour le faire. Ça veut dire, mon cap poussé la main pour le faire. Il y a un gros camion qui pour venir pour terre, qui pour remblayer. Et puis la vente terre, la fête terre, la fabrique terre pour le vendre bol en mer. Où t'es vivre ça? Ah bien sûr, Et gagner moi gros camion CN2, okay. Camion vide terre. Et bon si malheureux, gagner camion CN2. Parce que ouais. Donc par la autorité sous bagage ça qui dit yo même yo impuissant magistrat. Donc son travail est très intéressant. Moi parler tout de au fond bah sur célébration fête la mort dans cimetière Port-au-Prince. Dans cimetière Port-au-Prince, célébration fête la mort dans cimetière Port-au-Prince. Nté font regard anthropologique sous bah ça qui est très intéressant parce qu'on vient balaya dans question jeter café là dans question vient parler. Son travail est très intéressant sur lui. Le bas moi encore là et qui t'a pas très intéressant c'est phénomène haïtien pour nos étrangers. Oui, bon ça reportage ça l'aime qui me fait Robinson. Moi le Robinson. Et pas nous haïtiens. Qui va nous haïtiens, ça veut dire. Parce que nous haïtiens tout. Oui, gain nous haïtiens, ça fait ça. Ceux qui basent du sud. Oui, gain nous haïtiens. Là on dit gain nous haïtiens.
culturellement et nous qu'a dit gen nou haïtien est-ce que Serginho pas un haïtien nous pas qu'a dit son en français j'ai le plus portugais hein Serginho plus portugais oui et gen nou haïtien à qui nous parler dans votre ça à qui nous parler me parler avec deux parents qui ba petit nom étranger de monde qui a regardé film qui ont acteur cinéma et qui était un acteur il y a monde qui t'a regardé football est-ce que peut-être pas trop on monte comme professeur Jean Coulange professeur Ilionor Louis dans faculté d'ethnologie monsieur son sociologue je pas l'avoir très qui bien moi une question hein monsieur Djou bon monsieur parler de question acculturation qui jouait dans bah là et puis monsieur parler tout dans l'autre question de fantaisie, c'est-à-dire mon nom est non belle. Les temps de Mario ou bien Serginho Jondia, ou dit le semble portugais. Par exemple, vous voyez un peu de Brésil comme ça. Ah, ouais. Et puis, il y a Messia ou bien il y a Tipinauer. Tipinauer. Hans Tipinauer. Il y a le bel. Et puis il y a Balil, il y a une question ça, monsieur. Mais est-ce que là c'est ce qui propre à Haïti ou bien il est aussi présent tout dans l'autre pays côté influence gros acteur cinéma sous la vie mounio fait que une fois que mon en Japon que le Belgique que l'autre côté l'envie ba Haïti moun ni pote non moun ça. M'pas garder aspect de travail qui fait sous ça, m'pas garder dans l'autre pays mais le fait que monde là interconnecté, le fait que y a une interpénétration culturelle capable d'influence. Et le sociologue Ilionor te parlé dans ce sens-là tout. Ok. Donc c'est des thématiques intéressantes. Alors maintenant, il y a une question problématique femme qui travaille avec Amoun. Ouais. Qui c'est on fait que bon le map fouillé pas sexiste soit dit femme y a un garçon qui travaille avec Amoun. Oui, il y a un garçon. Vous sont des femmes seulement. Pas dit Moun Bito. Son aspect. On te prend femme non et bon, m'a fait le travail de un vous choisi oui, anglais. Oui, j'ai choisi femme seulement. J'ai choisi femme parce que y a beaucoup plus. OK. Y a beaucoup plus. Et en même temps, le regarde par exemple une femme qui dit que c'est $300 ou t'es Bali, c'est $400. Qui a une idée là ça. Au Bali. Qui année? Hein? Année passée? Non, passée, on l'a dit. Ça, c'est 2016. Il dit que c'est $400. Il dit, mais jusqu'à présent, il y a monnaie pour $300, $400, cap travail. On regarde la réalité, ça. On travaille sous ces dessins. Tu n'es pas quelqu'un qui touche comme ça, tout? Bon. Fondal. Oui. Mais ce sont très bons sujets. Bon, on est la presse, pas me critiquer la presse. Sont très bons sujets. Maintenant, mais même, je voulais faire un travail comme ça. Je voulais faire un travail comme ça. Mais la presse, pas me critiquer la presse, c'est la presse. Et oui, il y a ça, tout, mais il y a tout question. Les gens qui sont dans la presse, ils veulent parler. Les patrons ne veulent pas entendre. Il y a une question. Qu'est-ce que ça a gagné? Ils ne veulent pas parler à voix comme ça. Ouais. Peut-être que. Par contre, il est difficile pour jouer un témoignage. Oui, mais maintenant, pour faire un capteur, vous avez parlé avec deux, trois mesdames et... Oui, je parle à deux, trois mesdames. Deux, je parle, expliquer ma situation. Je parle avec le protecteur citoyen. Je parle avec le syndicat qui a bataillé dans la question. Ça. Ok. Je parle avec. De militants de Amoun, etc. Moi, tu es dans le canal Boatchen, tout, on défie pour l'environnement. Moi, il y a des journées mondiales à l'environnement. Oui, canal Boatchen. Canal Boatchen, non. Son autre travail encore qui est intéressant. Le gars de Boatchen, non, Serginho, son. Bah, de main en tête. Oui, mais est-ce qu'on essaie de garder ce cause qui fait que, malgré de temps en temps, par l'ingénieur Nader, qui toujours une certaine présence dans la zone, ouais. Mais ça va empêcher de doubler. Bon, ça, dans le travail que j'ai fait sur le canal Boatchen, je ne regarde pas ça. So regarde. Je regarde qui conséquences les conséquences sur le monde qui est dans l'environnement.
Je regarde les problèmes ça pose parce que on a un bon monde. On connaît ça moi dans canal là pendant Talia. Moi mon cap toilette à midi oui, dans canal là. Oui. Grand journée mon a passé entre sud en capitale. Son bail impensable. Un bon travail sur Canaan et sur CDSA. Vraiment, on dit c'est un pile reportage et on va bien parler de tout. Par exemple, Canaan, Bion Villa Plus, chargé machine, l'hôpital sans service pompier, activité votée en bas la ville, carcasse en bas la ville, méthode pour bonne en Haïti. Alors vraiment, les fois exemples pays qui sont en dehors, un pile sujet. Que Robinson a eu confrère nous traiter dans le cadre de premier CD. Ça, alors, on dit premier CD. Premier, c'est ça, lieu. Ça veut dire qu'il y a oui, il y a l'autre. De l'autre cap privé. Maintenant, on moun cap gardé, cap tendé, qui côté la vente CD, qui intérêt on moun ta gagne pour l'acheter un CD comme ça. On va le finir là. Intérêt on moun gagne pour l'acheter un CD, ça, c'est que premièrement, bon, j'ai fait un intellectuel de ça. Okay. Bon, j'ai fait un intellectuel parce que pour. Quitter la CAU pour quitter l'espace radio pour aller faire sujet, pour jouer mon yo, pour réunir des données qui pertinentes pour le public là ça, son travail intellectuel intéressant qui est capable susciter de qui est capable alimenter débat public là. Alimenter débat public là et parce que nous avons besoin de focus beaucoup plus sur la thématique ça. D'autant que là, il y a plusieurs sujets qui ont un rapport à la question de développement durable. Nous connaissons en 2015 à Haïti, les Siens, les Nations Unies, ODDO, ils prennent engagement en 2030 pour faire un paquet de pas dans la question santé, dans la question environnement, dans la question énergie, éducation, etc. Et qui est très important pour alimenter le débat public là. Ensuite, bagay ça, personnellement, il est capable d'enrichir. Il est capable d'enrichir de monde dans le public là, que ce soit professionnel, journaliste, étudiant, journaliste, universitaire, chercheur. Il y a un approfondi et de travail qui fait sur ça. C'est qu'il y a des pistes pour que le monde aille plus loin sur le sujet ça, qui est. D'ordre environnemental, anthropologique, sociologique, etc. Maintenant, grande signature qui prévoit faire. Grande signature qui a fait samedi 9 juin dans Radio Kiskeya, Espace Kiskeya qui sont local, qui tout collé à Radio Kiskeya, qui c'est propriété Kiskeya tout, dans 42 rue Villemenet-Bois-Vernant, en face ministère de communication, on a fait de 10h AM à 5h de l'après-midi, toute journée, on a fait la 500 gouttes. 500 gouttes pour professionnels, pour journalistes, pour fonctionnaires d'État, militants politiques et la trier. Et puis étudiants, on a fait 250 gouttes pour eux. Moi, nous dit là, madame, fonctionnaires d'État, étudiants, on a 4 militants politiques. Il y a forcément 4 ceux qui sont identifiés. Militaire, hein? Bon, étudier seulement, il y a venu à un cadre d'étudiant. Ou bien si vous n'avez pas un cadre d'étudiant, vous êtes capable de venir avec un reçu, avec. Maintenant, un monde qui va dans la catégorie ça, comment la paye CDA? La paye 500 gouttes. Tout le monde 500 gouttes, en fait? Tout le monde 500 gouttes. Étudiant, okay. Seulement 250 gouttes. Ah, étudiant 250 gouttes? Oui, étudiant 250 gouttes. On a fait comme ça pour vous. Samedi 9 juin, 10h du matin, 4h, dans le local. 5h. 10h du matin, 5h de l'après-midi, local Radio Kiskeya. Alors, il se passe Kiskeya tout près. Ouais, radio tout près Radio A. Et il invite Mounio à l'encourager. Où. Et au même son arrive pour le premier travail ça, qu'on arrive à faire. En fait, un peu de sacrifice pour que c'est de ça sorti. Ah, un peu de sacrifice. D'abord, il faut avoir l'idée. Et sous point sa forme, remercier le directeur général Radio Télé Kiskeya Mavel Dendin, directrice programmation Liliane Pierre-Paul, Stéphane Pierre-Paul, directeur information. Qui ont même le MTF au part de l'IDEA, ils étaient très ouverts et ils ont tout accompagnement nécessaire pour permettre que et production faite. Et ensuite, je remercie le producteur Frédéric, je remercie
montrer, remercier tout. Je suis totalement de ça. Vous partagez c'est pour radio, c'est pour propriété radio. Mais ne sont pas les autorisations de mettre CD. Ah non, c'est très difficile. C'est très difficile. Et c'est ça qui fait d'abord, premier démarche, c'était. Une autorisation. Une autorisation, on me fait. Et direction, tu es très ouvert. Je te permets ça. Vous avez travaillé partager la direction? Et. Oui, je réponds. Bon. De toute façon, c'est une action commune, c'est une initiative commune. Et de toute façon, il y a une formule qui a besoin pour que ce soit radio, que ce soit moi-même, nous sommes bénéficiaires. Et radio et moi-même, nous sommes bénéficiaires. Je vais vous facile pour poser une question, pour répondre à une question. Ah. ouais. Et puis, moi, merci tout. Père Éternel Loto qui t'a jugé bon. Oui, BNC et d'autres. Oui, BNC qui t'a un support au niveau où tu es jugé. Ok. Qui te permet au moins de faire premier pas. Et puis, bon, il y a un investissement personnel d'elle tout. Parfait. Pour et puis, compléter. On attend tout le monde le 9, le 9 juin, samedi matin, oui. 10h. Oui, 10h. Et journée en longue, je crois que chaque monde a une possibilité à un moment donné pour représenter dans Radio Kiskeya. Pour encourager Elan ça, parce que quand même, son passion, la carrière, gon Elan pour faire type de travail ça, pour me faire travail là tout, et ça a encouragé pour aller de l'avant et pour continuer le travail. Dans l'intérêt, justement, communauté a globalement, et là tout le monde a besoin, étudiants, journalistes a besoin, pour capable de faciliter un processus d'apprentissage comme journaliste et l'autre professionnel, j'aime te dire, l'autre catégorie, a besoin de tout dans le CD. Voilà, Robinson, mon cher, bon succès. Et puis, je souhaite toutes ces deux gagnants, tout samedi matin, 10h, 5h, espace qui est à Ouville Mené, patron du ministère de la communication, sous Bavenard, à l'encourager Robinson. Monsieur fait un travail assez intéressant et qui méritait appréciation grand public là. Samedi matin, c'est pour la vente signature CD au reportage. Ça, surtout étudiants journalistes, il y a un intérêt et à l'attendre, garder le travail qui fait là et ça, t'a capable d'inspirer vous-même dans la formation. Yo. Merci un pile, bon travail. Je suis content de parler avec vous matin. Je suis content de vous recevoir sur le plateau télé national matin en mise au point. Voilà. D'accord. Robinson Henry, premier invité nous pour aujourd'hui. On va prendre poser avec Sylvain et puis on va retourner tout de suite après.